Seigneur, nous te remercions pour nous avoir approché devant le trône de grâce. Nous te remercions pour une bonne journée, pour nous passer. Merci de te permettre de nous entrer, sur la création, pour te prendre soin de nous, bon Dieu. Et à ce moment encore, nous devant le trône, pour nous avoir un peu de secours. Après, nous attendre, il va vivre la vie de l'évangile. Nous allons seulement emmagasiner, nous allons servir ça, nous attendre, nous allons servir à bon esprit. Nous prions qu'on s'en va avoir bon Dieu, parce que nous allons nous dire, nous allons mériter. Nous allons Jésus, à qui avoir la puissance, la gloire dans tous les siècles et siècles. Donc, semaine passée, nous avons gagné pour commencer. Directement dans Matthieu 13, on a considéré toute parabole qui est dans Matthieu chapitre 13. Premièrement, on a identifié parabole qui est dans Matthieu chapitre 13. On a vu combien de paraboles il y a là-dedans. Okay, premièrement, verset 1er, arrivé dans verset 23. Premièrement, verset 1 à 9, c'est parabole la même. Dans notre carré, les physiques parabole là. Et verset 6, qui commençait avec qui ont disciple, qui pas vraiment implication parabole là. Verset 10 à 18, les plus baillons éclairement, pour qui ça, les a parlé en parabole. Et puis, qu'on y a, ou bien verset 19, qui arrive dans verset 23, c'est explication parabole. Donc, dans un sens où t'as dit ça, et on t'y rend différent de l'autre parabole, yo. Parce que l'autre parabole, yo, gagnant, yo, qui gagne seulement un seul élément, t'as dit parabole là, lui-même. Yo, qui gagne deux éléments, parabole là, avec éclication, lui. Puis là, lui gagne trois éléments, parce que lui gagne parabole là. Et puis, une éducation sur raison qui fait Jésus parler en parabole. Éducation parabole. Matthieu 13, 1 à 23. Éducation dans verset à verset 17 là. C'est très, très important pour noter dans toute la vie et le ministère du Seigneur Jésus et de même Papa bon Dieu. Parce que l'éducation que Jésus parle là révélé une philosophie que bon Dieu gagne la caille. Pour qui ça? Bon Dieu mettait tel bagaille à la disposition de tel monde en quantité et pourtant tel le monde lui-même, il a péri ou pas joint bagaille ça. D'après ça, Jésus dit, volonté, l'homme gagne pour beaucoup dans ça. Ça veut dire, le bon Dieu, voyons moi, gagne volonté pour connaître, la mettez tout, quelqu'un à disposition, ou et d'où connaître. Le monde gagne volonté pour chercher bon Dieu, la mettez tout, quelqu'un à disposition, ou et d'où chercher bon. Mais quand le monde pas gagne l'idée de chercher bon, il pas gagne l'idée de faire rien dans bagaille à bon Dieu, ou qu'il pourrait toute capacité spirituelle que bon Dieu a fait mon cadeau, il pas ba moun sa li, parce que moun sa pas besoin. Donc bagay ou ka recevoir nan men bon Dieu dépend de volonté ou gagner. Pour ça, nous venons comprendre que, en pile fois, nous wè parents yo, agit en courant, en ce sens que, et puis yon papa, yon maman, découvri, yon tonton, découvri, un tel vle aller l'école, un tel vle étudier, un tel vle apprendre un bagay. Y'a fait tout ça yon connaît, pour yon aider, pour yon payer l'école, pour li, pour yon encadre. Depuis son existence seulement, le vacabon dans la ria, acheter Belgique ou pas pour les parents, yo vante pour yo bâtiment acheter Belgique. Ou pour les parents vante pour yo voyer timoun l'école. Ça veut dire, c'est pour ça, pour comprendre l'éducation, dans verset 10, il vient dans verset 7 là. Jésus pas parlé en parabole répétit, il parlait en parabole, parce que le connaît, l'elle parle en parabole, tous les deux groupes yo pas comprendre. Mais, gagnon groupe, le fait que le voulait comprendre, la voix vient poser le question. Et c'est le ça, l'iliba, éducation, à vous qui voulez et qui viennent poser question. Mais l'autre groupe qui pas comprendre et qui pas jamais viennent poser question, ils ont Dieu parle fort par yo éducation. Ok, combien on va lire seulement premier 8 verset yo, comme nous t'es passé dans ça déjà dans Marc, nous seulement font courir sous lit. Après ça, on va aller dans l'éducation parabole là, dans verset 9 à 23 pour nous voir. Est-ce que y a un bagage, nous pas t'es bien tendu, nous t'es passé dans Marc, nous font passer sous lit, on va nous aller dans un deuxième parabole. Matthieu 13 verset 1 à 8. Le même jour où Jésus sortit de la maison, il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits heureux où elle n'avait pas pour terre. Elle leva l'eau parce qu'elle ne trouva pas sol profond. Et le soleil les chapeaux de racines. Notre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Notre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Est-ce que ça est différent de ça noté ou un là? Non, il n'y a pas rien différent. On est en allé dans verset 19 à 23, il y a un monde libre pour nous. Pour nous, est-ce que nous avons un bagage que nous n'avons pas mentionné? Et nous avons parlé de parabole là dans Marc 4. Lorsqu'un homme écoute la parole, voyons, il est là. Vient
et enlève ce qui a été semé. Cet homme est celui qui a reçu la semence de l'homme, qui a reçu la semence dans les endroits. C'est celui qui entend la parole, la reçoit avec elle, n'a pas de ralentissement, manque de peur. Et dès que je viens là pour une persécution à cause de la parole, pour une occasion. Celui qui a reçu la semence parmi les épis entend la parole. Mais en qui le texte de la parole, il la rend un droit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui dans la parole, la comprend. Et un grain en donnant un noisson, un autre. Ok, en verset ça y là, dans l'éducation que Jésus baille là, ça nous a fait sortir facilement, c'est que nous avons quatre qualités terrain, dans physique, éducation, parabole là, quatre qualités terrain, toujours dans physique, éducation, parabole là, trois qualités opposition, ou bien trois qualités terrain, côté plante là, produit, et yon, côté le produit, ou bien trois semences à, il y a parlé de l'île là, ou a parlé de semences physiques, il y a trois grandes confrontations, même si on a parlé de bagages rituels, ou qu'a parlé de les consacrer au point de vue spirituel, la parole, ça, là, humain, si nous, ouais, il y a trois grandes confrontations. Trois premiers terrains, où les joignent avec, un premier, un deuxième, et un troisième confrontation. Si on voulait comprendre, un bagage dans ça, c'est pour capable, premièrement, considérer la nature de ces confrontations. Si ça nous voulait dire par la nature de ces confrontations, à chaque confrontation, il y a, dans trois premiers terrains, et comment ils ont différents de l'autre. Premièrement, là, on pose des questions, ça concerne la nature, confrontation, et toute confrontation, après, il y a que toute confrontation, c'est confrontation, mais toute confrontation, pas même. Si ça veut dire, si toute confrontation, c'est confrontation, mais toute confrontation, pas même, semblait, c'est pas parce qu'il y a un nom, il y a une première confrontation, mais une deuxième confrontation, après, il faut là-dedans, parce qu'il pas même. Chaque, il y a différent. Bien, on a été fin de penser où, bon, la première confrontation, puis qu'on y a, on apprend, on étudie, et puis qu'on y a, on tactique, on prend technique, et puis qu'on arrive dans la deuxième confrontation, on échoue, parce qu'il n'y a pas même préparation, ou t'es besoin pour première confrontation, la même préparation qu'au besoin, deuxième avec troisième confrontation. En sens ça, même si, verset ça, dans Matthieu 5, verset 48, soyez donc parfait, soyez donc complet, comme votre Père s'il l'est parfait, dans yon sens, qu'a utilisé ça, même pas pour aller directement avec lui, donc qu'a utilisé verset ça, c'est comme ça que yon monde tatoué complet, parfait, tant que bon Dieu, ça veut dire, bon Dieu, qu'un technique pour tout, qualité confrontation. Ça veut dire, bon Dieu, qu'un tatoué, moyen pour lui monter n'importe confrontation. Donc yon monde qui complet, et yon monde qui a moyen, tant que bon Dieu, pour monter avec lui, si bon Dieu va pas avoir, pour lui monter n'importe confrontation. Si yon monde tava, premièrement, yon père de famille, deuxièmement, yon mari, troisièmement, yon patron, et puis qu'on y est, pour capable de contrôler les choses bien dans le travail, ou qu'à maîtriser tout bagay dans le travail, ou bien, et ou qu'à maîtriser tout bagay bien avec madame, et puis ou pas qu'à maîtriser bagay avec mounou, ah, qu'on y est là, ou après qu'il y a un défaut, tu vois. Et si ou qu'à contrôler madame, tout le monde bien, ou pas qu'à contrôler le travail, qu'on y a fait choisir dans le travail, là, ou qu'à contrôler travail, ou qu'à contrôler timon, ou pas qu'à contrôler madame, c'est là, c'est quoi. Ça veut dire que pour vivre bien là, on a un moyen pour qu'à maîtriser à tous les niveaux, n'importe confrontation qui vient de là. Nous t'avons pour nous poser question à confrontation, ça y a, dans la yo, dans la yo, ça va venir aider nous réaliser mes qualités, problèmes, yon moun qu'à rencontrer, et mes qui là, quoi, quoi, besoin fait, leur rencontrer, problème. En d'autres mots, de ces confrontations vous amènera ou bien vous amènera à avoir les grandes oublions de la vie. Puis vous avoir les grandes confrontations de la vie. Vous étudiez trois confrontations en profondeur, ça va venir mener à connaître trois solutions différentes. Parce que chaque solution, ça y aura, y est différent y en de l'autre. Parce que vous êtes sorti de une confrontation différente y en de l'autre. Par exemple, une nature confrontation, vous commencez à trouver dans le premier terrain. Si ça passe, les problèmes, non, il est commencé à arriver dans premier terrain. C'est le malin venu, c'est le malin qui enlevé les semences. Ça fait malin quand on a des semences là. Parce qu'il va planter. La première confrontation, hein, c'est que c'est ça, on t'a carrélé un manque de pénétration. Parce que ce semence là pas rentré même. Côté où la guille là, c'est là lui. Tandis que, et parce que il y a un problème de pénétration, on est à ta fait irriter sur la surface. L'oiseau était déjà là, il rejoignait bien facile. Mais c'est pas facile, ou pour les oiseaux, être en cours un cochon, ou l'aller, pour un oiseau
aller côté mal et planté et puis qu'on y a pour prendre un bec et puis fouiller juste jouer une graine maïa et pour venir planter maïa ou bien pour ou couvrir ou bien couvrir l'oiseau parfois il dit qu'il y a une nature pour ça. Cependant il a la surface comme soublé n'importe quel oiseau qui a passé qui grand goût qui ouais graine pour graine maïa graine timi graine duri quoi la pointe c'est qui ça montre nous ça montre que les n'a considéré premier terrain ça et n'a considéré confrontation premier terrain nous ouais le malin qui a avantage seulement les semences là par le malin pas gain avantage toute la journée toute la nuit comme une radio en bas terre tourner en ambassade pour une maïa et puis que une maïa rentre en ambassade là qui protège contre les oiseaux et si pas rentré en bas terre qui c'est ambassade lui ouais ça clive le se boule on y a l'air nous virer par rapport à ça dans les cas on lit au point de vue rituel Jésus manque de pénétration au point de vue rituel c'est manque de compréhension et lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas ou qui utilise l'outil maintenant par entrée au point de vue rituel livre ou pas comprendre sort lit dans la Bible là ou pas comprendre sortant de l'église là ou pas comprendre sortant de la radio là ou pas comprendre afin de comprendre tout de suite que la compréhension de la parole de Dieu c'est un protection lié contre les attaques de l'ennemi. Plus vous comprenez la parole de Dieu, moins l'ennemi a un avantage sur vous. Mais moins vous comprenez la parole de Dieu, plus l'ennemi a un avantage. Après, nous comprenons que qui plan l'ennemi a gagné dans Kata. Qui plan l'ennemi a gagné? Oui, dans Kata. D'après l'explication que nous joignons là, qui plan l'ennemi a gagné? Plan l'ennemi, c'est pour les où comprendre moins la parole. À toi. Parce que depuis, il faut comprendre moins la parole, ou bien il faut comprendre ni moins, ou bien il faut comprendre ni mal, c'est que avantage lit tout là. Donc si l'ennemi a fait en campagne, pour qu'il t'a dépensé l'argent, il t'a dépensé l'argent pour faire monde pas comprendre la parole de Dieu. Tandis que si c'est bon Dieu qui a supporté en campagne, et campagne bon Dieu t'a supporté. Campagne pour comprendre la parole. Campagne pour le faire comprendre. Pour comprendre si c'est un avantage à bon Dieu, désavantage à Satan. Pas comprendre si c'est un avantage à Satan. Satan Bible ou pas comprendre. Or, si pour comprendre un bagage, c'est question pour poser. C'est l'église qui est dans la classe. Sentiment que yon moun gagne. Sentiment que yon moun gagne. Pour le chagne, pour le doux comme ça. Les ceci, les là, les mines. Et même s'il ne comprend pas, il n'y a pas posé question, les peurs. Tout sentiment ça y a, c'est qui moun qui derrière. Le malin. Pour qui ça, c'est le malin qui derrière. Parce qu'il connaît tout sentiment de peur, de négativité, de timidité si là y a. C'est un bagage qui a pas fait moun n'a pas voulu poser question. Et le moun n'a pas voulu poser question. Ça fait mon n'a pas comprendre le malin dit tout là. Malin. Donc là, le malin qui a un objectif, il marche avec technique, il marche avec stratégie. Plan le malin, c'est faire ou pas trop comprendre. Eh bien, technique, c'est faire ou pas aimer poser question. Ou bien l'on pose question, il faut malhonnête. Ou bien l'on pose question, mon ré ou gêné. Et là, comme ça, le malin dit, ah, technique ça, bon. Donc, si ça fait pas poser une question, hein? Si ça fait pas poser une question, hein? C'est dans le professeur à sa sortie pour l'élève là pas poser question. Si c'est dans l'élève là même sa sortie, eh bien, le malin n'a pas un problème avec ça. Ok, qu'on y a nous gardé nature, deuxième confrontation. Est-ce que deuxième terrain a un même problème de manque de pénétration? Il y a vraiment dans les endroits qui veulent graver terrain là. Confrontation terrain. Qui entend la parole, la voix avec n'a pas de racine en lui. Manque de pénétration, une relation, une personne à cause de la parole, ou occasion à la confrontation terrain là depuis. Premier, grain n'a pas de rentrer même. Deuxième, non, grain n'a rentré même. Pas à quoi? Pas rentré, ça qu'a dit. Première, c'est un manque de pénétration. Deuxièmement, c'est un manque de pénétration en profondeur. Et maintenant, manque de pénétration en profondeur. Comment les avantages à ça? D'après explication de physique parabole là, les plantes là pas de racine qui s'est passé. Yon plante qui pas de racine, les ou yon plante qui pas de assez de provision d'eau. Parce que si yon n'a pas de racine fait pour pied bois, racine permet les joindre. Donc yon pied bois qui pas de racine, c'est comme si son pied bois qui a vivre mais qui pas gagne de l'eau. Et un pied bois qui pas gagne de l'eau, qui problème ça gagne, eh bien problème ça gagne, c'est que il pas gagne aucun moyen pour résister à la chaleur. Un pied bois travaille dans deux directions, ou bien dans deux
deux dimensions en pied bois, racine qui dirige vers le bas pour l'aile prendre l'eau, et pied bois même, ou bien branchure, ou bien feuillage là, qui dirige vers le haut, mais qui rencontre avec soleil. Les pieds bois rencontrer avec soleil, parce que normalement, pied bois a besoin de soleil tout pour aider le grandir, mais trop soleil pas bon pour lui. Et comme pied bois n'a pas de contrôle, ou quantité soleil qui a rentré sous l'IA, le soleil n'a pas mandé pied bois, qui quantité soleil libre. Soleil vini, l'ouvri, j'ai une entourante d'elle, et puis il dit, cousa pied bois qui pas qu'à résister, cousa ça qu'à résister. On y a plus de chaleur soleil là, c'est pas un bagage qui mesure par pied bois. Donc, les chaleurs à venir trop, pied bois doué, qui ont provision l'eau, qui pouvait en mettre les relais à chaleur soleil. En d'autres mots, pas qu'à fermer j'ai soleil là, mais qu'à empêcher soleil là, pour les. Après, nous comprendre tout, que gain des confrontations de la vie, c'est pas confrontation pour nous chercher goumer avec eux. C'est pas confrontation pour nous chercher éliminer, parce que gain des confrontations ou pas qu'à éliminer, parce que vous faites partie de la vie. Seulement, vous qui vous connaissez, confrontation après venir avec tel niveau de chaleur, et comme vous n'avez pas contrôle sur confrontation pour dire, mais comment pour le venir, on est à vous-même pour avoir préparé ou gagner assez de moyens pour résister contre cette grande chaleur. Donc ça, vraiment, un petit genre drôle, parce que quelques monde, ils ont senti pour y'ont bien, faut pas t'as qu'un l'ennemi même dans la vie. Donc, toute l'ennemi, ça va éliminer. Or, par rapport à ça, montre que, eh bien, c'est pas toute l'ennemi qui pour éliminer. C'est une dimension de résistance, nous, qui pour augmenter. Et cette dimension de résistance, nous, augmenter, nous, pas qu'un problème, malgré les. Récemment, parce que, dans le plan mondial, il y a un gagné, rôle. C'est qui rôle qu'il joue, ou bien qui est important qu'il gagne par rapport à nous, contre à lui-même. Allez pour nous. Premièrement, l'ennemi, sans le vouloir, ou bien d'abattre, involontairement, l'ennemi a joué un rôle de motivateur pour nous. Un rôle de motivation. Comment l'ennemi a porté souffrance? Bon, nous commençons à souffrir pour mieux, mon aller côté de bon Dieu. Yeah. L'ennemi a porté mal. Pour nous recevoir mal là, c'est côté bon Dieu n'aller pour bon Dieu changer l'ambiance. Donc, l'ennemi a voué mal là. Il pas voué, il voué côté bon Dieu, non? C'est où, en dedans, ou qui a programmation, mal ça, c'est bon Dieu, m'a voué côté le bas. Et on va dire, dans le vrai plan bon Dieu, même, l'ennemi a déjà là pour l'aller dans l'enfer. Ça veut dire qu'on l'ennemi qui allait dans l'enfer, faut l'ennemi aller dans l'enfer parce que l'enfer est déjà là pour lui. Mais pendant petit temps ça, bon Dieu fait affaire lion façon et même nous même tout pour que tout à l'ennemi en fait il sorti à l'avantage de Dieu. Donc l'ennemi a un propre plan pâle, mais bon Dieu gagne vous avez dit une machine, une machine de transformation et puis ces bagages l'ennemi en fait il rentre bagay l'ennemi en fait en machine de transformation pali et puis bagay la vin tourner le plan de pourtant ça qui bagaman de pour nous ta collaborer avec bon Dieu dans sens ça permet que l'an va réaliser vous c'est normal parce que si on allait dans la pratique on y a majorité monde qui vient joindre bon Dieu et qui vient joindre bon Dieu pour yo soumettre à lui c'est monde qui vient pour remplir calotte en bas main avec la seule différence que l'ennemi en pas te bailler au calotte pour y joindre bon Dieu pour yo soumettre à bon Dieu et après l'ennemi en s'y souffre après mais comme bon Dieu qu'on bagaille en dans nous, qu'on bagaille nous-mêmes, nous gagnons dans nous, d'ailleurs, le monde fait nous mal, c'est pas pour côté monde qui fait nous mal, là, nous voulons arrêter, c'est côté monde qui fait nous bien, ça fait chaque fois l'ennemi en fait nous mal, nous allons côté bon. Donc, ça, c'est deuxième nature, parabole là, qui montre nous ça, deuxième confrontation parabole là, qui montre nous, soleil là, soleil qui a coulé, semence là, et en même temps tout, semence là a besoin soleil, mais semence là pas qu'à soleil, quantité de chaleur pour le poté pour même gens. Yon moun baka di Satan, mi quantité koutou piti pou ban moi. Et nous, ouais, yon racine pour ce mensla gagne, qui permet de gagner assez de l'eau, ou même le chaleur soleil là, séché yon quantité de l'eau, mais pour toujours qu'on reste quantité de l'eau, qui permet de boire capable vivre, même en bas soleil. Donc, si yon moun si pied boire ka vivre en bas chaleur soleil, eh bien, yon moun ta doué ka vivre devant les confrontations de la. Et puisque sans nos besoins qui t'a fait nous vivre malgré tout
toutes les difficultés de la vie. C'est dans bon Dieu yon telle résistance. Eh bien, on a nos besoins rentrer dans bon Dieu et trouver racine nous pour permettre de nous vivre malgré tout. Même au Bazamos, quantité résistance ou pas le gagner, a dépendu de quantité parole et racine que la bien. Quantité résistance qu'on a gagné, a dépendu de quantité parole, a dépendu de quantité l'esprit bon Dieu pour rentrer dans où ou diriger ou leur devant bagage difficile ça. Troisième confrontation, nature, troisième confrontation, qui s'allait, un, l'épargne manque de pénétration, deux, l'épargne manque de pénétration en profondeur. Troisièmement, parmi les épines, celui qui entend la parole est en qui le fier la cette parole, la rend donc ça, c'est un mauvais environnement, un mauvais communion, mauvais environnement. La nature, troisième confrontation, ça a montré, le monde n'a plus là-dedans, voyons le monde qui a encouragé nous vers le spirituel. Donc on est nature, monde ça, c'est plus nature, un monde qui a étouffé cette réalité spirituelle que bon Dieu mettait dans. Donc c'est ça qui fait, Jésus dit, ou à vivre dans le monde, c'est vrai, mais ou pas doit aimer le monde, ou pas doit aimer les choses dans le monde, ou pas doit attacher à monde ça, malgré à vivre là-dedans, mais besoin qu'on monde à ou à vivre là-dedans, ou besoin qu'on monde, bon Dieu, ou à vivre dans le monde. Et comment nous comprenons ça? Le fait que tout missionnaire qui vient en Haïti dans tant longtemps, tout missionnaire qui vient en Haïti dans tant longtemps, vous connaissez, vous venez dans la mission pour bon Dieu, c'est vrai, mais vous connaissez l'environnement haïtien, hein? C'est pas un bon environnement lié. C'est ce qui s'est passé. Vous venez dans la mission, c'est vrai, mais vous venez à l'eau, vous passez avec l'eau, vous venez à manger, chaque semaine manger, vous venez deux fois par semaine en avion missionnaire. Vous comprenez tout à fait, vous savez, c'est dans le pays où il y a vivre, mais y a pas mêlé avec environnement, parce que déjà qu'on est environnement, il n'est pas favorable. C'est ça qui fait nous-mêmes, nous devons considérer les choses du monde, les péchés du monde, les plaisirs du monde, les vanités du monde. Avec ça, y a pas d'adoué dans les stomacs, nous, chacun. Ça doit vivre dans le monde là, mais nous gagnons provision, nous pas servir avec plaisir qui est dans le monde là, nous servir avec plaisir importé que nous sommes avec, côté nous sommes. Donc, premier dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Ça pas veut dire que un monde qui convertit, son monde qui doit sans plaisir. On doit qu'on côté quand même, on a point plaisir, mais on a point plaisir dans un bagage bon Dieu. Spécialement, l'objet là, c'est vivre dans l'environnement Jean-Lia sans nous pas gagner comme mission pour changer l'environnement. Allez, mot vivre dans le monde là, mais nous pas gagner comme mission pour changer. En réalité, non pas qu'à changer le monde là, non, parce que le monde là, c'est pis mal de jour en jour. Il a pris mal jusqu'à ce que le jugement vienne. Sinon, t'as qu'à changer le monde là. Pour me sauver. Bon jugement, pas t'as même besoin de venir. Nous besoin qu'on ait, nous même côté, c'est vrai, mais nous avons deux identités différentes. Ça fait que le monde là, pour aller dans la route, aller moi-même, moi dans la route, pas moi. Mais nous avons même monde là. Le monde là, qui est objet de plaisir, pas lui, moi-même, moi, qui est objet de plaisir, pas moi. Alors, question ça va poser là, il a un rapport avec souvent, là, nous, la route ensemble, puis depuis, ouais, on est dans une mauvaise condition. Donc, c'est pas son gros problème, il gagne. Tout le monde, ça, il a toujours été genre, ou pas gagné, ou pas café, là, c'est comme ça, moi, gagné. Ça, c'est une bonne question, ça. Comme quoi, garder le monde, c'est comme ça, toujours. Et si on pas éliminer le monde, qui a mis tes pantalons, j'en voulais éliminer le monde. Bon, je ne sais pas quoi, son bagage, qui a pris, mais, ça pas du pas qu'à toujours une chance, l'évangile, ou gagne, l'évangile. Mais, dixième, ça, apparaît, tout, c'est ça, on prend, vous faites, d'un coup, on se dit là, ah ouais, comme ça, parce qu'il pourra aller des malins. Avec toi, pour aujourd'hui, demain, il y a seulement vous-même ou pas quitter ou remprend vous-même. Si vous gagnez une mission ou pas quitter environnement monde là empêcher accompli mission. C'est ça nous est. Mais ça nous te voulait dire, nous parler d'eux ou poser question ou considérer tous les trois confrontations yo, ou parler de trois confrontations ou identifier au chaque ou commencer ou yo pas même et pour commencer à garder au chaque en particulier d'après naïo, d'après sociaux et d'après médicaments que vous avez besoin. Comment vous considérez dernier terrain? Si yon terrain pas gen trois premières confrontations, yon bon terrain. Et puis yon moun ka monte trois premières confrontations, yon ou déjà arrivé. Si yon point bagay la net au point de vue spirituel, ou ka dit trois grands l'ennemis que prêche l'évangile gen là-dedans, c'est le diable, c'est le monde, c'est la chair. Yon chaque gagnant façon, yon là pour yon bloquer le travail de l'évangile. Ou gen moyen, ou ka faire travail, je lance la parole.
parole l'a fait, malgré le diable, malgré le monde et son mauvais environnement, malgré la chair et ses mauvais sentiments, ses mauvais désirs, à quoi après. Deuxième parabole que nous allons considérer la prochaine fois, c'est verset 24, arrivé en verset 3. Cher notre Dieu, notre roi bon étant le Père Céleste en Jésus, on fait encore content de revenir à la prison, le meilleur de tuer envers nous, demande de placer nous dans le travail qui est derrière, dans le sens, dans le travail, et avec nous, pour nous dire, pour nous dire, pour nous dire, pour nous dormir, pour nous apprendre, on va aller, pour nous, pour nous dire, avec nous, pour nous dire, si la roue a bien dit une raison pour l'autre, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va comportement à yo Dieu fait au gain tout au passant si vraiment yo en me yo gain et des capacités yo réussir à émis à yo nous soyez nous content de gagner des pour dans la parole mais nous capable arriver gagner voir le monde diable la merci au Dieu pour grâce faire nous pardonner pour nous mais au pasteur moi je compte toujours José connait au travail avec mais ou apprendre ou pas la gérance surtout de discernement au Dieu capable de la parole même nous capable aider nous créer à ça que nous t'étendons, mais nous pas tendons seulement, mais non seulement nous tendons, mais nous apprendons pour nous déjà fait. Après maintenant, ça compromet pour faire pour nous plus tard. Après, nous avons des gars, nous avons conservé par nous, nous avons des gars, et maintenant, et pour tout le monde.